bienvenue sur Capsule Corde. Ceci est le premier épisode. Ce seront des vidéos très courtes. C'est pas des tutos, c'est pas des cours, on est là pour être tranquillou. Ce sont simplement nos idées, nos points de vue. C'est notre manière de voir les choses et vous avez le droit de pas être d'accord avec nous. D'ailleurs, nous-mêmes, souvent, on n'est pas d'accord entre nous. Si vous n'êtes pas d'accord, nous aussi, ça nous arrive entre nous. Pas de soucis, tout va bien. Aujourd'hui, nous allons parler... de la tenue, des vêtements. Donc, avant de parler des vêtements, on va parler des cheveux. En tant qu'encordeur, je vous conseille d'attacher les cheveux pour pas qu'elles se prennent dans les cordes. Et en tant que modèle, ça vous évite de vous faire tirer des cheveux involontairement. Et je suis un mauvais exemple, puisque dans la plupart de nos vidéos, mes cheveux sont détachés. Voilà, faites ce qu'on dit, faites pas ce qu'on fait, c'est dans vos exemples. Hein. Plus sérieusement, donc nous sommes en couple. En tant que débutant, j'y connais rien, c'est la première fois, on vous conseille de faire ça plutôt nu. Parce que ça évite d'avoir les vêtements qui se prennent dans les cordes, ça permet d'avoir une meilleure fluidité dans le mouvement et d'éviter un petit peu de stress. Si vous n'êtes pas en couple, ou si vous allez en jam, ou si juste vous avez froid. Aussi, vous pouvez être en couple et avoir froid, effectivement ça marche. Donc il peut être sympa de prévoir votre tenue. Donc là sur les tenues, on était plutôt sur des tenues simples, plutôt on a dit brassière. Ouais, les brassières c'est sympa, plutôt une brassière peut-être en rayon sport qui va être bien moulante, parce que moi j'en ai eu qui était flottante, qui n'était pas géniale, et c'est embêtant, en particulier pour l'encordeur, ça va, s'en fiche. Mais... donc on enlève le soutien-gorge avec les baleines, les bretelles qui vont se pendre avec la coque, derrière aussi par les agrafes. Est-ce que c'est utile de dire que le corset avec des baleines, avec des agrafes devant, des lacets derrière, c'est une mauvaise idée? Oui, parfois les choses vont s'en dire, elles vont bien en disant non. Évitez ce genre de choses-là, c'est très joli, c'est très fétichisme, évitez-le. De toute façon, si vous n'avez jamais fait de corde, effectivement, vous allez essayer. Bon, après, vous pouvez essayer aussi, ça marche. Et d'un côté, essayez-le, vous verrez, c'est une mauvaise idée. Les brassières... donc le bas. Le bas, on était sur les leggings plutôt, c'est ça? Donc je disais que ouais, les leggings, c'est super cool, vous avez déjà dit que... le jean, c'est pas... Le jean, ouais, on a la couture aussi pour le jean. On va avoir aussi des plis qui vont venir se mettre sous le pocketé. Ouais, donc moi, c'est pareil. J'ai fait des vidéos où je suis en jean, en pantalon de toile, etc. C'est embêtant, ça serre, ça fait des points de compression, comme vous l'avez dit. Le pocketé, le pli de laine aussi. Donc, c'est pas agréable. Par contre, les leggings, c'est cool. Et s'il fait chaud, ou si juste n'est pas frileux, le boxer, c'est sympa. Voilà. Donc le legging, ça a le problème d'être élastique, de tourbillonner. Le boxeur, c'est une bonne idée. Moi, je conseille plutôt le boxeur, ici, plutôt que le shorty, le string ou le tanga, ou voilà. Parce que le boxeur, ça fait une limite, une démarcation. Comme pour les enfants, il ne faut pas dépasser le poil des traits. Donc ça vous permet de mettre la corde en dehors du boxeur et d'éviter justement le pli de laine, de venir compresser les veines, ici. En tant que débutant, j'y connais rien, c'est ma première fois. Ensuite, on revient sur le haut. J'ai souvent des manches longues. Et ce qui se passe, c'est que souvent, en fait, elles sont flottantes. Ça moule pas bien le corps. Et c'est ennuyeux, c'est pas pratique du tout. Donc, Laurent, il conseillerait plutôt. Donc là, moi, je conseille un petit truc là-dessus, c'est la chemise. Magie du montage. Donc, je disais une chemise, plutôt une chemise d'homme, plutôt qu'une chemise de fille, de femme. Parce qu'elles ont parfois des fous, des dentelles, elles sont pas coupées pareil. Donc là, puis il y a aussi la pas de poche. Donc, on peut avoir le bouton ici qui peut venir compresser, mais on fait attention au bouton, ça fait plutôt bien. C'est très joli aussi sur les femmes, les chemises d'homme. Voilà. En plus ça a des manches longues, comme disait Valérie, on peut pas avoir froid, et ça évite cet aspect, et c'est tout pichonnant, on peut pas venir tout pichonner là. On peut pas... Donc là je peux le faire, ici, là ça tout pichonne, mais là du coup c'est plus difficile avec la chemise, et puis ça fait une solution. Ça c'était l'astuce qui coûte pas cher, qui peut faire élégant et pratiquer chemise de costume d'homme. Remâche du montage. On enchaîne. En ce qui concerne les tenues longues, nous avons également le kimono. Alors le kimono, oui, si c'est un kimono en soie, en soie de verre à soie naturel, parce que la plupart du temps ce sont des kimonos en synthétique, en satin, en fibre polie, machin, éthyle, pétrole, élastique, et puis bon, surtout avec le type du côté élastique. Donc kimono en soie naturel, oui. En soie synthétique, satin, non, dans le cas de deux jeux des plus, j'y connais rien, c'est ma première fois toujours. Et je parlais pas encore, les zentai, je disais. Le zentai, c'est un collant intégral avec les manches ou pas. On revient sur la problématique du collant et du legging. Ça reste des fibres élastiques, comme les bas. Donc s'il est bien moulant, que vous avez un vêtement de qualité, je sais pas, soit un zentai, soit un latex. Et latex et vinyle, ça aurait pas... Oui, mais ça marche aussi, mais latex... On était plutôt sur les débutants qui connaissaient, mais tiens, on peut faire aussi pareil, du latex. On peut être débutant et être déjà fan de latex et être débutant encore, ça marche. C'est peut-être pas la bonne idée pour les premières leçons. Dans tous les cas, les vinyles et les latex, ils sont traités avec des polymères. Du coup, il faut laver les cordes derrière et il faut aussi laver
les latex et les leggings. Donc là, on rentre dans leur sujet. Parce que dans le cas de Semaphore, début, j'y connais rien, évitez. Évitez plutôt tenue simple. Sur les intailles aussi, on rentre sur... On avait les collants, les portes d'orteils. Ouais, effectivement. On rentre sur le bon outil du leggings, la collant, leggings et élastique. Les bas, avec ou sans dentelle, avec auto-fixant, on évite. Et les portes-jartelles, là, c'est comme pour le corset, on évite. Parce même qu'on va, principe. On va avoir la jartelle qui va se prendre dans la corde, on a la jartelle qui peut appuyer sur la cuisse aussi. Ça va faire des épaisseurs, vous avez des attaches qui sont dures. Les agrafes qui sont trop dures. Évitez ce genre de petites choses en débutant. Collant, oui. Bas, auto-fixant, pas auto-fixant, jartelle, pas jartelle, jartière, pas jartière, vous savez. Plutôt collant, legging, avec le problème de l'élasticité, mais c'est pas grave. On parle toujours pour les débutants, j'y connais rien, c'est ma première fois. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, c'est notre point de vue, c'est uniquement notre point de vue. Voilà, on a fait à peu près le tour de tous les petits conseils et trucs et astuces qu'on avait à partager avec vous. Je crois que c'est ça, comme ce sont des vidéos courtes. On en a oublié, c'est normal, tout va bien. En tant que spectateur, on l'oublie, vous pouvez mettre le petit pouce, laisser le commentaire, vous abonner. Voilà, nous aussi, en tant que spectateur, on n'y pense pas tout le temps à mettre le pouce, à mettre un petit commentaire, ou à s'abonner. Donc, c'est juste un petit rappel gratuit. Et ça permet de faire remonter la chaîne, de nous aider. Voilà, c'était tout. Allez, au revoir.